Alors bonjour, enfin bonsoir. Donc je vais reprendre Lego Star Wars, la saga complète. Et je suis revenu ici pour gagner du temps sur la pour la dernière brique rouge, enfin la brique rouge de ce niveau. Alors il faut avoir les trucs rouges. Si j'ai bien compris le truc. Mais je me demande si c'est du hasard ou... Bon. Ah bah là c'est du vert. Ah oui ça je l'ai fait. Je crois. Allez. Comment on fait pour l'avoir? Ah, d'accord. Ok. Donc c'était bien apparemment du hasard, hein. Donc on va aller chercher la brique rouge. J'ai des... comment dire? Par hasard, j'ai débloqué un mini-kit que je n'ai pas pris. Donc je vais voir si je peux aller le chercher. Oh non, je le ferai la prochaine fois. Je le ferai la prochaine fois. Parce que en fait... Comme j'ai pas montré comment je l'avais. Non, okay, y a rien là. Attends. Elle me tire dessus quand même. J'aurais peut-être pu aller chercher la brique rouge directement. Tiens, je vais regarder s'il n'y a pas un peu de pognon, parce que ce sera toujours ça de gagner. Si c'est du pognon gratuit. Puisqu'on va courir après le pognon pour avoir le coefficient multiplicateur. Une fois que j'aurai le 4, ah bah c'est trop tard. Ouais, allez hop, tant pis, ça me rapportera rien, mais... Bon, allez, hop. Sauvegarder et quitter. Construction rapide, pour l'instant, je m'en fous. Ah, merde. Voilà, des deux R2. Alors, je livre. Ok, donc c'est pas grave. Je prends celui-là. Enfin, c'est pas grave. C'est toujours pénible. Hein. Épisode 5, l'Empire contre-attaque. Chapitre 4. Chapitre 3. Le vol du Faucon. Sous le commandement de l'infâme Dark Vador, les forces impériales ont envahi la planète rebelle sur Hoth. Luke Skywalker, qui est parvenu à repousser l'ennemi, prend la fuite à bord de son chasseur X-Wing. Alors que tous les transports rebelles ont décollé, Han Solo affronte les vaisseaux impériaux à bord du Faucon Millenium. Ok, bon. Mais je l'ai pas eu, c'était... Où elle est là? Où est-ce qu'elle est? Ah bah. Ok. Bon, ça va, j'en ai eu des plus durs. Hein. Bon, je vais même pas m'intéresser au prix que ça coûte. Ça doit être 2,5 millions. Donc, il me faut encore 1 million. Et ça, je l'aurai progressivement quand je recommencerai à... Mais déjà, j'ai quelques... C'est bon. Quelques niveaux à farmer un peu avant de recommencer. Donc, épisode 5, l'Empire contre-attaque, chapitre 4. Dagoba.
Yann Solo et la princesse Leia ont finalement réussi à échapper à la flotte impériale à bord du Faucon Millenium. Ils mettent le cap sur la Cité des Nuages, sans se douter que le chasseur de primes Boba Fett est à leur poursuite, à leur trousse, pardon. Pendant ce temps, Luke Skywalker suit les instructions d'Obi-Wan Kenobi, qui lui est apparu sous forme de spectre et se rend sur le monde désolé de Dagobah à bord de son X-Wing. Accompagné de son fidèle droïde R2-D2, Luke s'enfonce dans les marécages pour accomplir sa destinée. Qu'est-ce que je dois faire là? Pourquoi j'ai... Pourquoi j'ai... À quoi ça sert d'empiler ces saloperies là? Non. Là, il y a quelque chose là. Et, par contre, ça me dit... Ah, peut-être que... Je pense que... Alors, je n'ai pas souvenir d'avoir fait ce truc-là avant. Il peut pas passer. Mais non, mais ils auraient dû mettre un truc pour dire qu'on peut pas passer. Mettre des pancartes. Comment on va là? Là, il y a des trucs qui montrent bien que je peux pas passer. Donc là, c'est clair. Bon, par contre... Est-ce qu'on peut passer par ailleurs? Par là, peut-être? Ah oui! Ah, mais faites pas chier! Ah ben, je crois que je... Quand j'ai... Dans ma précédente partie, j'ai... Hop! Pas souvenir de ça. Oh, ça va être encore un grand bonheur. Ok, donc c'est juste avoir les... passer sur les trucs rouges. Pas sûr qu'il y ait moyen de les rater. Ah mais ah putain. Merde. Alors est-ce qu'il y a moyen de l'accélérer? Putain. Non mais c'est possible? J'ai l'impression que c'est pas possible. Je peux pas accélérer. Ah. Oh. Non mais ça c'est pas normal qu'ils nous mettent une saloperie pareille.
C'est trop juste. Donc ici, il y a quelque chose. Mais regardez, c'est dégueulasse. Il tape dessus, ça, l'autre, le mon inutile, là. Il leur tape dessus sur les chauves-souris, puis ça leur fait rien. Au fait, c'était la clé, là. Comme je suis là, je vais regarder. Et ça fait quoi? Ok, c'est juste pour passer. Mais de toute façon, j'ai eu la... Oui. Mon but est principalement de récupérer... Régénérer les cœurs. Mon but est principalement de récupérer les... Les briques rouges. Allez, dépêche-toi. Ah, merde. C'est chiant. Est-ce que je vous dis que j'aime pas ces majuscules accentuées? Épisode 5, l'Empire contre-attaque. Chapitre 5. Piège dans la cité des nuages. Ça n'a aucun sens de mettre des majuscules qui sont plus petites que les autres, ça n'a aucun sens. Alors que Luke Skywalker s'entraîne à devenir un Jedi depuis plusieurs semaines, il a une vision. Dark Vador a capturé ses amis. Contre l'avis de Yoda, le jeune et impétueux Jedi décolle à bord de son chasseur X-Wing et fonce vers la cité des nuages. Là-bas, il espère retrouver Han Solo et la princesse Leia. Mais il ignore que le piège imaginé par Dark Vador est en train de se refermer sur lui. Alors, ok, donc ça va être du bref, ça... Bon, ben voilà. Oui. Allez. Bon. Alors.